Aïe, c'est mon Théorinus. Pour la partie 3 de notre Let's Play sur Pokémon Emerald Plus. Donc nous étions à Méroville devant l'arène. Donc nous allons direct à l'arène à l'échelle. Tu vas voir pourquoi on est meilleur. Attends, je viens juste de commencer un combat alors ça fait 20 secondes que je tourne. Oh, Porygon. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Allez, Rossi, tu peux le faire, mon petit Rossi. Point de feu. Toile. Ça sert à rien de faire toile parce que ça sert à rien. C'est bien que dans Pokémon X, quand vous avez les trois félins légendaires, trois oiseaux légendaires qui s'échappent, qui peuvent s'échapper, ben ça c'est bien toile. C'est méga bien d'avoir un Porygon qui casse ça. Si je réussis pas, oh mais j'ai même pas pu lire. Je sais qu'on a mis la ville et alors mes Pokémon Roche ont besoin de s'exprimer, de place pour s'exprimer. Un combat est lancé par Gamin Tom et Montagnard Marcus. Orizar, oh, Zarbi. C'est toi qui es Zarbi là. Point de feu sur Orizar, ça c'est sûr. Et puis il est psy, donc si je lui fais. Moi, ouais, c'est bien. Oh, j'ai même pas tué. Non mais pourquoi? Elle attaque sur Florizarre, ça sert à rien. En plus, ça sert à rien, c'est ça le pire. Elle lui a rien fait, elle a pas habitué les armes. Point de feu. Et même pas Martine. Enfin, et au Cochaini. Oh, et au Cochaini. Oh non, elle est confuse. En plus, j'avais déjà. En fait, j'ai déjà tourné l'épisode 3, mais je l'ai. Et on m'a interrompu un peu pendant que je tournais, donc en plus j'avais déjà perdu la reine parce qu'il y a un Lugia qui avait honte de chat qui m'a détruit mon Mantinir aussi, donc j'étais un peu dégoûté. Et Mantine va faire laser glacier et Oko. Je crois qu'il avait fermeté. Par contre, l'épisode va se terminer. Je sais quand est-ce qu'il va se terminer, mais je sais pas quand en temps de tournage. En tout cas, c'est dès qu'on va arriver à Meokara. Là, je vais stopper. Parce que je préfère garder l'arène pour le prochain épisode. Parce que c'est très, très, très court, le changement. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est que ça prend 5 minutes. Dès que tu as battu l'arène, pouf, tu es à l'autre. Donc ça, c'est vraiment dommage. C'est un peu nul sur ce jeu. C'est les arènes. C'est entre l'arène 1 et l'arène 2, ben, c'est trop rapide. Donc, le tournoi sera là, qui va durer 10 minutes, un peu plus, peut-être 15. C'est bien. Non, on est déchiré. Je croyais que c'était plus long. J'ai appris à arriver. Ça, c'est des rituels, trucs comme ça, on s'en bat un peu les cacahuètes. Oniglali, c'est bien. Point de feu. VG. Oh, VG attaque. Oh, il avait VG attaque. Oh. Oh, c'est facile. 480. Oh, Morpheum. Moi, je l'avais appelé Coucougnette sur mon Pokémon Saphir Alpha. Parce qu'on l'a normalement au niveau 30. Enfin, on l'a quand il est au niveau 30, quand on a 5 badges, je crois. Attends, j'ai pas vu c'était quoi comme Pokémon. Un sécateur, dis donc. Rossi, là, il va se faire d'XP, dis donc. Un reflet. En tout cas, j'ai vu qu'il n'y avait pas encore de vue sur les Let's Play. La partie 2, je viens juste de la mettre en ligne, donc c'est un peu normal. Et en plus, normalement, ceux qui regardent les Let's Play, ce sont surtout ceux qui habitent en France. Et donc là, c'est l'heure de manger. Non, il devrait avoir fini. Non, si vous mangez une heure normale. Bon, là j'attends, je regarde juste combien j'ai de vues. Ah, j'ai une vue sur mes deux vidéos. J'ai une vue sur Pokémon Emerald. Bon, j'ai perdu. Apparemment, j'ai encore bien des choses à apprendre. Tu m'étonnes parce que je n'ai même pas perdu un PV. Alors que tu avais quand même des Pokémon super forts. Bon, c'est bon. 1500, c'est tout. Oh, à Clémentibus, je vais combattre une personne qui m'a donné 1400.
Bon, tombe roche. La chute de pierre inflige le dommage, la vitesse diminue. Anina, ça en connaît. Merci, Roxane. Maintenant, je peux les soigner. Non, c'est un... Bon, je vais les soigner. Dégage, hors de la route. Attends, je t'en prie, rends-moi mon pack. Non, garde-le, s'il te plaît. Non, non, rends-le, parce qu'il pour qu'il arrête de pleurer. En plus, déjà qu'il m'a donné une bon, il aurait pu m'en donner une dizaine. Vraiment, c'est pas gentil. Aide-moi, la team a comment voler, il me l'a volé. Il faut que je récupère le pack d'Evan, sinon je vais avoir de graves problèmes. Non, non, j'ai pas envie. Non, je suis gentil, hein. Il a du bol que je sois gentil. Évidemment, on va faire tous les combats pour que ça dure un peu, quand même, puisque après c'est... Un gamin, c'est un Suicune. Super. Petit gamin, qui t'a capturé ce Pokémon? À vous. Attends. Ah, je comprends. Au début, je me disais, mais pourquoi c'est pas efficace? Pourtant, il est glace. Mais non, en fait, il est que eau. Enfin, je crois. Allez, Mantine. Ah, oh, elle va bientôt monter, la Mantine. La Mantine. La Mantine, L-A, espace Mantine. La Mantine. Vous avez compris, hein? Voilà. Gamin Joe. Gamin Jar. Oh, Magnetica Shiny! Il est trop beau! On va le tuer, hein, évidemment. Hein. Pas de respect pour les Shiny. Pas de respect pour les Shiny. Évidemment, non, les combats, on les fera plus tard. Hein. Ceux qu'on peut zapper, on les fera plus tard. Pip! Nidoqueen, alors au calme, hein, Nidoqueen, au calme. Hein. Personne veut lui voler. Déjà qu'on dit, vas-y, à boule ton Pikachu, Nidoqueen, Suicune. Tout le monde se serait précipité dessus. Pikachu, 400 personnes environ. C'est quand même énorme. Oh, Otaria Shiny. Tu vas voir ta petite sœur, voilà. Donc, retour. Attends, elle est shiny. Bon, je verrai ça dans la vidéo. Donc, dans la vidéo. 7 minutes 35. Il y a 7 minutes 35, donc je verrai à 7 minutes 30, comme ça. Pour voir si c'était vraiment shiny. Voilà, vous me direz si vous l'avez vu qu'il est shiny. Rafflesia, pas mal. J'ai fait fin de feu et je le démonte, hein, c'est pas grave. Bon, ouais. Un respect. Aucun respect. Niveau 16, gamin Brian. Ok. Non, j'aurais dû speeder, je voulais voir s'il réagissait. Bon. Ah, un sécateur encore? Bah, c'est pas très rare. C'est pas très rare, il y a un sécateur. J'ai battu Montagnard. Le Montagnard. T'as prêté tes chaussures de marche? Bah oui, mais je suis dans le sport. Et les kids shiny? Non mais soit les hallucinations, soit ils sont vraiment shiny. Je reverrai la vidéo. Électrode. Putain, mais Rossi, c'est une bombe sur pied, hein, ce Rossi. On a compris que ton pico est parti, ok? C'est bizarre que moi sur ma version on ne voit rien quand on est dans les grottes. Alors tu me suis? C'est pas possible, ce Pokémon prime un otage ne me sert à rien. Et quand je pense que je me suis enfui par ce tunnel qui ne mène nulle part. Et toi alors tu veux te battre contre moi? Ben ouais. C'est tellement nul. Ça sert un peu à rien. Ça sert à marre. T'es sérieux, hein? Tu peux te faire laminer par le petit garçon qui a le Suicune. C'est un peu normal, mais un Suicune. Le chef m'a dit que ce serait simple comme bonjour. Tout ce que j'avais à faire, c'était de voler un paquet chez Devon. Si tu veux vraiment, t'as qu'à le prendre. C'est bon, ok. On se casse maintenant. Oh, le petit Pico. Pico, tu es sauf. Quelle joie. Pico, te doit la vie. On m'appelle Monsieur Marco. Toi, comment t'appelles-tu? Ah, alors je t'appelle Orange, je te remercie infiniment. Dis-lui s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en parler. Je peux me trouver dans ma maison au bord de mer, près du bois Clémentine. Je regarde deux secondes.
pour ma vidéo, enfin pour mes vidéos si elles ont eu des vues. Voilà, donc ça charge. Donc une et une. Non, pas encore de vidéo. Donc on a fini, maintenant on va retourner à la maison. On va retourner à la maison. Oh, j'ai cru qu'il serait Shining. Morpheo. Ça sert à rien d'avoir prendre Morpheo pour sa rareté, mais parce que. Métamorphe! J'ai bien eu envie de voir qu'est-ce qu'il a comme attaque. Non, il a pas morphine. Charges. Oh, petit métamorphe. Bon, moi au moins, il va me faire monter niveau 10. C'est bon, on peut retourner à ma maison. Elle est prise! Oh, c'est un bon Pokémon ça. Mais pas maintenant, je préfère en prendre dans la grotte. Ils sont niveau 12-13. Oh non. Oh non, pas de petits scouts là, des Pokémon super nuls. Attends, je lui pour le plan de feu, je le démonte. Ah non. Ah non. J'avoue, je ne vais pas démonter les premiers coups. Bah d'ailleurs, je vais vous faire un tuto après. Non, attends, j'ai pas vu toi qui trio piqueur. Ah, ça c'est plutôt fort. J'ai rien dit. Vous avez battu le coup que j'osais. Merci monsieur le scout, mais il faut que je me casse. Je vais me casser, Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Oh, comment ça s'est passé? Et pour mon pack de... Tu as réussi, tu l'as récupéré? Tu veux un très grand dresseur. Je sais pas, remercier, je vais te donner une autre Super Bowl. Merci monsieur. C'est le visage du siège de Devon. Le bureau du directeur s'y trouve. Je ne saurais dire combien je suis reconnaissant de ce que tu as fait. En fait, le paquet que tu as ramené, tu peux demander au livreur de le livrer au chantier naval de Port-Rosel. Ce serait désastreux si ces voleurs tentaient de les reprendre. Alors, je peux compter sur toi pour me rendre ce service? Ah, c'est vrai? Tu pourras venir ici un instant? Non, je peux pas. Notre directeur aimerait te dire un mot. Si tu veux bien suivre. Oui. Vas-y, je t'en prie. Je suis monsieur Rochard, le directeur. Attends, il est assis sur son siège. J'imagine un gamin en train de se sauter sur un fauteuil. Je suis Rochard, le directeur de devant. On vient parler de toi. Tu as sauvé notre équipe. Pas une, mais deux fois. J'ai un service à te demander. À quelqu'un d'aussi remarquable que toi, je sais que tu dois livrer un paquet au chantier naval de Port-Rosel. Sur la route, tu pourrais faire une petite halte au village Miyokara. J'aimerais que tu remettes une lettre à Pierre. Une lettre. Tu dois savoir que je suis un grand directeur, je ne suis pas donc avare au point de demander un service sans rien. En retour, j'aimerais que tu prennes ça. Pokénav. Ah oui, Pokénav, c'est bien parce que tu peux enregistrer les gens. C'est un navigateur Pokémon ou Pokémon. Pokénav. Pour faire plus court. C'est un outil indispensable dans la quête de tout dresseur. Il y a une carte de la région de web, tu pourras facilement voir où se situe Miyokara et Pavosel. À propos, j'ai entendu dire que les criminels Magma ou Aqua, je crois, causeraient des problèmes un peu partout. Je crois que tu ferais mieux de te reposer avant de reprendre la route. Bien, Laurent. Voyage prudemment. D'accord. J'ai développé une fonction Pokénav et ça marche du tonnerre. Laurent, est-ce que je peux voir le Pokénav que le président t'a donné? J'ai ajouté la fonction Match Phone à ton Pokénav. En utilisant cette fonction, tu peux chatter avec les personnes qui sont enregistrées dans ton Pokénav. Le président doit déjà y être enregistré. Essaye de l'appeler pour voir. Pokénav. Match Phone. Devant, appel. Oh, Orange, je suis content de voir que le Pokénav fonctionne. D'autres personnes y seront enregistrées alors tu sauras. Ils ont enregistré, alors tu auras plein de gens à appeler. Ça a l'air de te faire plaisir. Non, pas du tout. En fait, ça me fait un peu caguer. Comment je sais ça? Je sais ça. Je sais ça. Mais je te vois par la fenêtre de mon bureau, pardi. Ha ha ha. À bientôt. Ok, je ferai bien de travailler. Bonne situation, Laurent. Merci, monsieur le prof. Je vais le mettre au centre de ton kimono. Désolé s'il n'y a pas de son. Parce que si vous voulez que ce soit plus fluide, le mieux c'est que je mette pas ça. Oh, Laurent, ton Pokénav est équilibré de la fonction Match Phone. En
enregistrement pour pouvoir nous parler n'importe quand. Vous avez enregistré Laura dans le canal. Ah, en fait, j'ai croisé M. Marco au Pokémon si je pense qu'il rentrait chez lui de sa petite maison près de la mer. Comment ça va, petit Dex? Pas mal. Bah oui, je n'ai pas tué. Un peu trop jeune, dresseur, tu ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre. Bah si. Oh, Lamantine! Ah, la copieuse! Oh, la copieuse! Alors, je vais appeler cet épisode le premier badge et Flora la copieuse. Ça sonne comme nous. Bon, je suis désolée, mon petit Rossi, mais ça sert à rien, puisque t'es pourri face à elle. Lamantine. Lamantine vs Lamantine. Paresse. Danse fleur, je vais la m'attendre. En un, je parie. Bon, d'accord. C'est pas grave. Au moins, je l'ai battu. 244, c'est pas mal, leader en mal. Là, Rossi peut s'en... Ah, Rossi peut s'en charger d'un petit nid de rang. C'est nul en plus, un nid de rang. Il est en femelle, là, je crois que c'est un nid de rang. Oh, attendez. Son Lamantine est plus faible que son nid de rang femelle. C'est un Pokémon pourri, c'est un Pokémon super badass. Décidément, ce jeu, j'y vais toujours m'étonner. Oh non, il est empoisonné. Mince, j'ai perdu. En fait, monsieur Marco, je viens de croiser. Oh, je viens juste d'emménager ici, alors c'est bon, mais je sais même pas de quoi elle parle. Bon, laisse-moi. Laisse-moi, tranquille. Mais Marcel, la fille de Marcel. Je voulais juste mettre KO pour le fun. Allez, on va vite voir monsieur Marco et faire un petit combat avant. Ouais, allez, on fait celui-là. Ah, on est déjà à 17 minutes. Putain, mais c'est énorme. En fait, je savais pas que c'était autant long, aussi long. Ça fait 10 minutes quand même. Hein. C'est long. Bon, là, je suis à 17 minutes de record. Mmh. Super efficace, mais il me fait 3 PV là. Et wesh. Bon, on peut se dire, je l'ai battu. Bien. Ouais, c'est bon. Non, non, parce que niveau 18, faut qu'elle aussi elle monte un peu. Enfin, qu'il aussi elle monte un peu. Super. On fait que les tuer. Roucoule. Non, c'est bon, sans façon. Oh non. Elle est confuse. Aïe, 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 non, non, s'il te plaît, roucoule. Attends, mais t'es tout petit. Comment tu peux hypnotiser ma petite. Oh, quoi? La chérie est déjà. Putain, mais elle est nulle, Mantine, pour se remettre ses émotions. Je vais changer. Attends, elle va quand même pas se faire zigouiller par un roucoule. Quand même pas. Enfin, si je crois. Non, mais sérieux. Chiou. Elle est morte. Elle a perdu 50 PV juste par un petit roucoule niveau 8. Enfin, 16-7 même. Je ne veux pas que je t'arrive dans mon Pokémon. C'est pas gentil. Mais t'es tué. Hé, on a quand même un bon record là. Hein. Ouais, on peut dire 22 minutes encore, comme avant. On va terminer l'épisode à mon avis. Super rang. Juice. Allez, voilà, monsieur Kim. Attends, oh, combat Pokémon. Quel but, ok. Rossi coupe. Ouais. Non mais Rossi il est pas très fort en attaque, c'est qui est dommage. Je vais essayer de la prendre une attaque. Attends, Balgren, est-ce qu'il peut prendre Balgren? Non. Tom Rush, oui, là je crois qu'il va prendre. Non, aucun Pokémon ne va prendre. Il va prendre avec le temps. Alors. Attends, mon petit Pico vient ici. Ah, tu veux rendre, tu vas sauver mon Pico Adore et nous devons une fière chandelle. Tu veux embarquer avec moi? Comme ça, tu vas mettre à remettre à Miyokara et un paquet à déposer à propos. Ça, tu ne dois pas avoir le temps de t'ennuyer. Quoi qu'il en soit, pas de problème, je peux t'aider. Je vais frapper à la bonne porte. On met le cap sur Miyokara. Wesh, wesh, petit vieux. Village Miyokara, nous voilà. Levons l'encre, Pico, mon chouchou. On met les voiles. Mais.
peu. Bip. Oh, Oran! Où es-tu? Non. Où es-tu? On dirait que le vent souffle fort là où tu te trouves. Nous sommes dans la nave, alors je me suis dit que je devrais t'appeler. On dirait que tu vas plutôt bien. Je n'ai pas vraiment de raison de m'inquiéter parce que je vois. Fais attention à toi. Vous avez enregistré avec Papa Norman. Papa Norman. Dans le Pokémon. Mais pas un peu d'inspiration. Ok. Et voilà, donc c'est clos notre première. Notre troisième épisode sur Pokémon Emerald Plus. Épisode 3. Donc c'est vachement bien. Je suis vachement contente de cette série. Donc on va finir le combat et puis après je vais vous dire au revoir dans le seuil de l'arène. Hop, ring 2, donc 8, frère, point feu, et je zigouille. Non, je zigouille pas. Oh, il est fort. Il s'appelle Ring 2. Et il fait 423. Donc j'ai peut-être les XP un peu, genre niveau 20. Peut-être. Non, je préfère pas trop les XP. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur Facebook, Twitter, etc. Et moi je vous dis salut YouTube. Je vais plus sur le bouton stop.